les gens, ici c'est Shadowar et on se retrouve en compagnie de Virlox pour faire un plan secret. Mais chut, on va tourner l'épisode 20. Et on se retrouve sur Dead Space 3 donc en mode hard, l'épisode 20 après la suite de l'épisode 19 complètement catastrophique. Et on continue tout de suite à la poursuite de Danik. Et arrête de mettre ta tête dans mes fesses s'il te plaît. C'était pas fait exprès. Ok, je te suis, je suis. Isaac, moi vite. Vous allez vous faire tuer. Et ma mère, trois quarts d'heure qu'on tourne en tout en rond. C'est un aller simple. Et si je dois mourir sur ce glaçon, Danik m'accompagnera. Oh, on s'est un peu tiré dessus là. Allez, allez, allez. Je crois qu'on a abattu un. Je sais pas. Je préfère courir. Ah mais attends, j'ai pas compris ça. Hop. Oh, lui, il a bug. Crever, allez hop. Bon, je vais juste monter un peu le son parce que j'entends pas grand chose. Voilà. Il y en a, il a bug. Ouais. Je l'ai tiré dessus, il a disparu. Disparu. Ouais, j'ai tapé dans la caisse, elle a même pas explosé. Lol. Ah, kit de soins moyen, c'est bon ça. Moi j'ai que des petits kits de soins, t'en as de la chance. Moi j'ai préparé 5 kits de soins max avant de venir, tu sais. Hop. Bon, j'en avais qu'un. Allez, on continue, on saute. Attends, armature, tu l'as pas pris, Cassos? Bah, je pensais que t'allais prendre. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Allez, c'est parti. Youpi! Go go, Pure Ninja! Pour descendre! Sans blague. Ouais, on les voit sur le mur. Là. Oh. Boum. Bitch. Non, mais tire dans le machin là, c'est mieux. Y'a des trucs qui explosent exprès. Waouh, 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 je suis en train de glisser là. Voilà. Ouais. Fais le ménage. Aïe. On a fini de tirer dessus là. Eh, je vise comme une bite. Ça me génère. Voilà. Prends feu et tu te tais. Allez, go! Oula, oula! Oh, j'ai mangé le rocket! Ah, oh, moi je peux éviter de peu! Oh, fuck off! J'ai mangé tous les rockets! Ouais, normalement, il n'y a plus de trucs de rockets, donc c'est vrai. Hop, c'est bon. Tu joues à quoi, toi? Mais tranquille. Bah, en fait, j'ai pris l'arme. Pour les nécromorphes, hein, j'ai pris la même. Parce que le blaster, je vais pas utiliser un blaster pour eux quand même. Parce que moi, attends, le il fait que poursuite là, vite, vite, vite. Alors. Oh, y a une caisse là. Regarde, fou. T'as cru qu'on t'avait pas vu? Qui de son moyen caché? Un garde-fou, c'est what the fuck. Oh non, encore du piratage. On attend du partenaire. Windows 98. Chargement dans 90 heures. Hop, go. Non, oh, c'est gentil. Il a pas. Pardon. Oups. J'ai fait une bêtise. T'es sacrément con, madame. J'avais pas vu que tu pouvais pas y aller en fait. T'es beau, toi, hein? Non, mais je vais réfléchir maintenant avant. Ah, c'est bon. Voilà. Là, ça passe. Ouais. C'est bon. Voilà. C'est bon, ce que je fais. Je vais attendre avant de valider maintenant en fait. Oh là là. Et je suis con. Vite. Je fais de la merde. Viens. Vas-y. J'ai cru que t'allais encore valider, j'ai fait eh merde, on a plus qu'à recommencer. Allez, c'est reparti. J'ai réfléchi un peu quand même. Go, pourquoi c'est la suite? Ah, ça me gratte le pied. Avance. Ok. Ça me gratte le pied. Sortir d'ici. Arrête, ce n'était pas. Oh putain, j'ai tiré ta faute. Nouvelle tenue. Attends, un truc à écouter. Attends, ça me gratte les pieds. C'était la lune. Quelle folie. Ne faisons plus qu'un. Arrête là. Ce n'ont que des appels au secours. Et que nous avons aveuglément suivi. D'accord. Il y a un mec qui s'est rendu compte que... Voilà. C'était de la merde. Que, ça y est, en fait, ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait une erreur. Tenue d'élite débloquée. Oh yeah. Attends, toi, tu l'avais déjà, mais... Moi, j'en ai débloqué une nouvelle, ça veut dire. Bah t'en as débloqué une autre, je suppose que t'as débloqué celle où on ressemble à un scarabée ou à un escargot, tu sais. J'ai déjà celle-là. Non, non. Toi c'est celle de rhinocéros. Tu ressembles à un rhinocéros. Bah c'est celle-là que je vais mettre là. Je vais mettre celle où je ressemble à un rhinocéros. Oh, elle est rouge. Moi aussi, je suis le Power Ranger rouge maintenant. Wow. Ouais, elle est quand même chelou. Mais je vais... En fait, c'est Splinter Celt.
Ça y est, j'ai la tenue de Splinter Cell. Tintin, tintin. Il est content. Mmh, content, hein. Garde-fou. Je m'ignore complètement ce que c'est. Allez. Je prends juste de quoi me refaire un petit stock. Voilà. Hop. Parce que sinon ça ne sert à rien. Niveau balle, c'est bon. Niveau tout le reste, c'est bon. Allez, on y va. C'est parti, parti. Si, si, on perd pas de temps. Turn it off. Je sais pas c'est quoi leur lune là. Make us wall. Carver 002301. Faites-nous un trou. Make us wall, faites-nous un trou. C'est ça. Turn it off. Attends, j'ai essayé ma nouvelle combi moi. Allez, vas-y, montre-nous. Montre-nous comme tu es beau et soyeux. Tenue d'élite, débloquée. Elle est où? Je suis sûr que ça va être la tenue escargot, je te dis. La tenue escargot. Moi j'irais plutôt la tenue vagin vu la gueule qu'il a, hein. Carrément. Ah, vu le plan que j'avais, ça ressemble à rien, on avait l'impression qu'il... Il y avait une tranchée en plein milieu de la gueule. Ouais. T'es en rouge. Comme d'hab. Ouais, elle ressemble vachement à la mienne. Tiens, t'as vu, c'est la tenue escargot. T'es trop moche. Montre-nous ta tête d'escargot. Oh, la belle tête d'escargot. Ouh, escargot démoniaque par contre, parce que toi t'as les yeux rouges. Ouais, de loin ça fait peur. On dirait un... Je trouve sa tenue trop énorme et sa gueule par contre. Ouais. Faire sa tenue. Ouais, j'ai vu, c'est là. Regarde, il a un logo sur le bras, putain. Tiens, t'sais. Putain, je veux la même, je m'achète. L'année prochaine, je me fais un cosplay de celle-là. Faudrait déjà que t'es dans une convention. Allez, on continue. Parce que on est en train de perdre du temps, inutilement. Récupère ce qui traîne là. Oh, un point. Enfin, un circuit. C'est quoi qui fait ça? Peach, c'est quoi? Ah non, ces petits trucs là, ils sont trop chiants. Vous ne reprendrez pas le contrôle des corps. Non. Non. Voilà. T'as l'air de débrouiller seul. Bah disons qu'on m'aide pas, donc oui, je me débrouille seul. Alors, je lance les mécas coronaires, j'en ai détruit. Hop. Ça c'est quoi ça? Ouais, toi t'es mort de toute façon. Ouais, il y a un taquet de trucs qui nous donnent là. Oh non, j'ai fait brûler le sol sans faire exprès. Ah, le con. Pour moi, il faut encore descendre. Ah, moi aussi, mais bon. Je vais quand même en balancer un là, ouais, au cas où. De toute façon, on va en rappel. L'avantage, c'est que course-poursuite, on a le temps, hein. On peut prendre le temps, apparemment, ils nous attendent. C'est l'avantage. Ils sont en train de boire le café. C'est tout. On tape un petit thé là, tranquille. Non, c'est moi ce côté-là. Pour ta chatte. Non, c'est moi de ce côté-là. Je suis Sam Fisher, alors je me mets du côté où je veux, ok? Tout est Sam Fisher. Mais parce que j'ai. C'est bien le snipe. J'ai les trois rondes. Oh, il y a un caillou. Eh ben, je t'en sers pour tirer, bonhomme. Wow. Vous voulez jouer à ça? Tiens. Mais, je peux plus tirer là où je suis. J'avance. C'est quoi qui explose? Je sais pas, mais je cours. Wouah! C'est quoi ces bestioles sur le côté qui explosent là? BOUM! J'ai compris de quoi il parlait. Moi je sais pas! En fait j'avance plus vite qu'elle, ça m'évitera de me faire tuer. Ah par contre toi non, t'as pas réussi. Je sais pas ce qu'elles ont fait, mais elles m'ont tué! Mais elles explosent en fait. Et je sais pas, elles ont pas explosé. Ah si si, elles t'ont explosé je pense. Bah non, j'ai pas vu une explosion. Eh bah elles étaient derrière toi quand elles ont explosé, mais je te jure qu'ils disent elles explosent et je les ai vues exploser quoi. Et bah je vais tous les geler. Bah si tu veux. C'est... On repart d'où? À ta plage, hein. Genre on va essayer de mourir, pas mourir trop de fois. Non, non. Tu vas pas me manger, c'est pas l'heure du casse-croûte. Méchant, bestiole. Oh la puante. J'ai mis feu. Tiens. Je regarde les dézinguer. Hop. J'ai pas réussi à la geler en l'air, tu vois. Bah, c'est pas grave. Hop. Allez, c'est bien là. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Bah non, c'est pas parti, non. Quoi? J'ai oublié ma tungstène là-bas. Mais je te l'ai amené là. Ah. Bon bah non, en fait, c'est un chargeur vieux. Tout pourri. Putain, pourquoi on est mort? J'avais de la tungstène la dernière fois. Ah, dommage. Enfin, pourquoi on est mort? Pourquoi j'ai fait de la pute? Je fais la pute. Ah, c'est quand même malade, hein.
Ouais, mais l'inconvénient c'est que là je me fais tirer dessus. Ouais, bah, je sais, bah moi aussi, hein. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai un truc étrange, je me tourne la tête. Pourquoi? Merde. Hop. Bah vas-y, passe-moi devant. Eh, tu meurs pas, bonhomme. Je meurs pas. Oh non, je suis en plein dedans. Oh. Putain, j'ai eu trop chaud. Bon, avance comme un dingue, quoi. Ah, ça s'est arrêté. Oh putain, c'est quoi ça? J'allais dire c'est l'araignée, mais on l'a désingué, c'est pas la même. Wouah, elle est trop chelou celle-là. Non? Non? Je suis pas d'accord? Non! Vas-y, je passe comme une bite! Vas-y, avance, avance! Vite! Maintenant, c'est nous qui sommes poursuivis! Vous avez vu sa taille? Ah oui, vu sa taille! Non, en plus, mon mec saute dessus, quoi! Je peux pas passer, l'autre il est en train de manger tout le monde. Ah. Non, 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 c'est des bébés. Ah. Waouh, ce bordel. Tu brûles ta mère et je te congèle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'aime, on aura du steak pour demain. Porte en plus quoi. Déjà congelé. Moi je prends pas de steak gelé. Ouais, c'est quoi ça? Oh mais non. Lance job. Ah. Intéressant. Eh, ces bébés là ils explosent, alors fais attention. Tu veux des super framboises? Merci, tu viens de me niquer la moitié de la vie, je t'avais dit qu'ils explosaient, t'es con quoi. Ah, tu m'as tué la vie. Tu veux un kit de soins? Non, je vais l'en prendre un. Je viens d'en regagner plein là. T'as pas du... T'abuses quand même. Tu sais pas? Tu m'as niqué la life, maître de dingue quoi. Je savais pas qu'elles explosaient. Imagine, je serais mort. On aurait dû se taper. Hein. Non, je t'aurais relevé. Non, imagine, je serais mort déglingué. Tu sais, des fois, quand tu prends trop de dégâts d'un coup, tu peux pas te faire relever. Non, faut qu'il y ait une cinématique pour que tu meurs d'un coup. Non, non. Ouais, je suis jamais mort comme ça encore. Déglingué comme ça d'un coup. T'es de moi, c'est quand même. T'as la station. Non, en plus, c'est complexe leur machin. Il y a des trucs. Quoi? Ça a quitté. Petite ellipse! Putain! Ouais, les gens, désolé, on a une petite problème de co. Enfin, Virlox, c'est un petit problème de co. Mais c'est pas grave, on continue. J'aime pas beaucoup qu'il y ait une grosse hélice juste au-dessus de nous, en fait. Moi, je descends pas dans ce genre de truc comme ça. Je préfère qu'elle soit au-dessus qu'en bas. Hein. Ouais, sauf si elle tombe. Oh putain, mais. Oh non! Il y a des bébés partout! Non, les stasans, c'est pas mal. Oh putain. Ah, j'ai chaud. Rectification. Il y a une hélice en bas. Putain, on doit aller où? Waouh. Bien joué. Ah. What the fuck. Oh oh. Pourquoi tu vas mourir? Mais non. Bourrine. Ah. Putain. C'est la gueule. Pourquoi c'est toujours moi qui me ramasse? Parce que c'est toi qui es passé en premier. Où sont tous les gens? Tous morts. Isaac Clark, il les a tués. Vous n'avez qu'à appeler des renforts. Par où ils arriveraient? Nous ouvrirons les systèmes de ventilation d'ici. Vous, ouvrez la voie au vaisseau. Allez, vite. Rune, Liena. Rune quoi? Liena. Bordel. Bah, Alien, il faut le retrouver avant l'arrivée des renforts. Vite. Ah, on a eu un petit charnière qui est en train d'arriver. Sauf... Allez, il est mignon, rentre. Ouvrir le. Attends, je vais allumer le moteur. Non, c'est pas assez discret. Ça, c'est trop discret. Vous. Hop, voilà. Et t'as quelque chose à aller faire dedans, toi? À l'établi? Ah non, non. Oh, le lancer de caisse. Boum, 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 bitches. Tu l'as lancé où? Là-haut. Et il est où? Ici. Bah non, moi je l'ai plus. Merci, tu m'as enlevé des munitions ou quelque non. chose. Ah, là bas, elle est où toi? Moi? Non, moi je l'ai plus, elle est nulle part. Regarde ici. Non, non, y'a que dalle moi, tu le vas lancer là où je ne peux plus l'avoir. What the fuck? Mais non, elle est retombée. Ah, elle est pas retombée, je te dis.
Moi j'ai que dalle là. J'ai juste allé chercher mes charognards à l'établi. Je suis désolé, je pensais pas que t'allais pas pouvoir la choper. M'a volé ma caisse. On va faire un petit peu de recherche de stase. Ça te fait plaisir. Moi personnellement, je vais reprendre. Voilà, à peine de vie. Je vais me refaire des balles vite fait. Voilà. C'est bon, je suis OP, c'est parti. Moi je suis pas OP. Hop. On rechargeait ça. Alors, charognard, il y en a pas dans le coin. Ok, c'est parti. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. D'accord. Ok, j'arrive. Ok. Avec le petit vin qui coule dans mes pieds, là. Ah, un message. De qui? C'est un message personnel de Serrano. Le crâne de CZ présente 6 orifices, menant chacun à une chambre de résonance comparable à notre cavité nasale. Lorsque l'air passe par ces orifices, il traverse une membrane phonique qui vibre et module le son. L'ouverture de la fermeture des différentes membranes crée des notes. D'accord. Donc, t'as lu les ça où extraterrestres, ils ont 6 orifices pour faire des notes de musique. Okay. C'est un orchestre vivant, le bordel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, c'est un clic de soin. C'est appréciable. Qui contrôle tous les monologues. Waouh! C'est l'étape finale de ces êtres. Enfin, presque finale. En fait, les natifs de la planète ont construit une machine destinée à figer la formation de la Lune. Mais ça ne suffit pas. Ça, on le savait déjà. Complète, la Lune est parvenue à transmettre son signal au monolithe. Et c'est loin d'être fini. Il y a plusieurs lunes qui forment un réseau à travers les étoiles. Une fois complète, chaque lune vient se connecter et prévient les autres. Alors si celle-ci devait s'achever, ses sœurs viendraient ici pour se nourrir. Gardez espoir. Les natifs n'ont pas fini la configuration. La machine ne devait pas figer la lune. Elle devait la détruire. Trouvez le codex. Il vous permettra d'accéder à la machine et de la reconfigurer. Suivez ma piste au cœur de la machine et mettez un terme à tout ça. Bien, chef. Donc maintenant, on est. En fait, on doit suivre les trucs de Serrano, quoi. Il faut la configurer correctement. Et Danik, stopper Danik ne suffira pas. Il faut rapporter le codex. Lui seul permet de configurer la machine. C'est quoi de ça? Traducteur? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es en train de faire quoi là? Tu peux me laisser faire? S'il te plaît. Attends, mais je sais pas ce que je suis en train de faire. Bah justement. Ça se trouve, y'a que moi qui peux faire parce que tu vois, moi j'ai des visions et je connais un peu la langue alien. Que pouic, y'a que deux trucs. Attends, on va réécouter peut-être qu'il nous dit un truc dedans, l'autre. Possible. Je suis sûr, en fait, c'est de la merde, c'est un mini-jeu. Ah, c'est drôle, hein. Attends. Traduction alien. Ouvrir. Ah bah voilà. Ok. Comme ça, et comme ça. Tu peux te pousser, s'il te plaît, que je puisse reculer? Merci. Comme ça, et comme ça. Ça marche. C'est qui avait raison? Pas toi. Attends, c'est quoi les symboles en fait? Alors, celui de gauche, c'est une barre en bas, deux bras. Attends, une barre en bas, deux bras. Une barre en bas et deux bras, ouais. Ouais. Attends, je suis en train de rouvrir. Ouvrir. Oui, c'est bien. Celle du milieu, c'est deux barres et un bras qui part en couille. En bas? Ouais. Ok. Et celle de droite, c'est une barre et une barre qui part en diagonale. Mais il n'y a pas de point. Ça marche. C'est bon. Ça fait quoi? Bah ça a ouvert la porte. Juste pour ça. En fait, je putain pensais que... le truc là, je pensais que c'était pour allumer le... Que c'était... Mais putain, j'ai déjà activé sur ouvrir. C'était pour allumer le rétroprojecteur, c'est pour ça. Et en fait, non. C'est pas du tout ça. Vas-y, t'as le droit de tourner. Hop. Ah bah c'est pour ça que ça voulait pas tourner. T'inquiète, ça charge, ça charge. Hop hop, ça s'ouvre. Oula. Oh. Oh my god.
Waouh, c'est quoi cette tête géante avec ses mains? Oh mon dieu. C'est la machine, je suppose. Ah, merde. C'est sûrement le premier. Et ça doit être la machine. C'est la machine. Alors on est arrivé. Ouais. On y est. Vous devez me promettre quelque chose. Si je dois mourir. C'est l'instant drame. Vous finirez le travail, ok? Nous le finirons, Carver. Vous et moi. Oui, mais... Vous et moi. Si jamais... Je vous ai quand même bien aidé. Ça jouera en ma faveur à la fin, non? À la fin? Ouais. Pour me racheter. J'ai fait des erreurs. Oh, taisez-vous, Carver. Tout le monde en fait. J'ai laissé tomber mon fils. Torpillé mon couple. Isaac, j'ai tué Santos. J'ai le droit de m'en vouloir, non? Vous avez un bon fond. Mais on fait pas toujours ce qu'on voudrait. C'est vrai que Mantos, c'est un peu lui qui l'a tué. Désolé pour Ellie. Merci. Elle est morte, au fait. Ça sent pour la fin. Comment ça sent la fin? Mais on sait pas si elle est morte. Par là. Sous cette écoute. Hé, c'est Danik. C'est pas trop tard. C'est vrai qu'on sait pas. Plus de retour possible. Reprenons le codex. Mettez-lui sa mère. Super, elle est trop trop bien, quoi. Ouais, faudrait qu'on trouve toutes les musiques de Dead Space. Hein. Allez. Ça s'achève maintenant. Moi je te propose. Eh oui, ça s'achève maintenant, la fin de l'épisode. Non, Jerem, on est à la fin, là, on peut pas en faire ça un plus long. Zat quack. Ah si, je suis désolé, c'est la fin de l'épisode. Non, mais après ça va faire un épisode de 40 de et de alors. Heures. Là le prochain, si ça sent la fin, on verra. Si le prochain peut-être, si c'est le dernier, il sera plus long. Mais pour le moment, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je flûte. Cette vidéo vous a plu. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'épisode 21 sur Dead Space 3, toujours en compagnie de Virlox. Je suis désolé, c'est lui qui a voulu. Moi, je voulais tout faire d'un coup. On verra pour le prochain épisode. Non, mais c'est mort, le prochain épisode, là, on tourne après, on le finit tout de suite. Ouais, pas de soucis. Allez, salut à tous. Tourne toute l'après-midi si tu veux, mais on le finit. Oui, salut. Tu dis au revoir, dis donc. Au revoir. Au revoir. J'arrête un écran portant la mention player.